allez bien? Aujourd'hui je reviens encore pour un haul. Enfin, les vidéos vont être dispatchées dans tout l'été, donc ça se trouve vous aurez pas... Bref, je m'embrouille, je m'embrouille. Alors j'ai reçu un mail de la marque Lupsona. C'est un site internet asiatique et en ce moment j'ai plusieurs demandes et ce site là je l'avais jamais testé, donc du coup bah j'ai accepté pour un petit peu voir tout ça. J'avais vu sur plusieurs vidéos que c'était un site qui proposait des habits de meilleure qualité. C'est souvent un peu le débat entre Lupsona, Zafou, nanana, nanana. Donc je voulais voir si c'était aussi bien que ce que les gens en disaient, quoi. J'ai décidé de pas faire un unboxing parce que mes derniers hauls ont été souvent faits comme ça. Donc là j'ai ouvert le colis hier. C'est aussi parce que j'étais vraiment très dégueulasse. Je sortais d'une journée de taf après une semaine, comment dire. Mais j'avais trop envie d'ouvrir mon colis, donc je vous ai pas attendu. Donc là je vais vous présenter tous les vêtements. Donc je sais s'ils me vont, s'ils me vont pas, etc. Mais il y aura quand même un try and haul parce que c'est mieux pour vous. Enfin bref, au niveau de la livraison, j'avais été surpris par le site Zafool qui livrait très vite en moins d'une semaine. Celui-ci c'est un peu plus long, ça fait 2-3 semaines et j'ai même cru à un moment qu'ils avaient oublié de m'envoyer le colis tellement c'était long. Mais non, je l'ai reçu par surprise hier, donc je suis très contente. Au niveau de la qualité, clairement, vous le savez sûrement, je suis assez franche. Si ça me va, c'est cool, si ça me va pas, je vous le dis, que ce soit au niveau de la qualité, de la taille, etc. Voilà, je vous le cache pas, de toute façon je fais les essayages, donc si ça me va pas, vous le voyez aussi bien que moi. Mais là... je peux vous dire qu'on est sur un presque sans faute. Il n'y a qu'un article qui ne me va pas, vraiment. Et tout le reste, je suis choquée. C'est si beau, mais vraiment, c'est tellement beau. Je suis vraiment trop contente. Faut savoir que j'ai pris que des trucs estival ou bien festival, parce que oui, je fais plusieurs festivals cet été et du coup j'en ai profité pour faire acheter des trucs un petit peu qui font été, qui font festival, qui font voilà tout ça quoi. Je me suis un peu fait plaisir. Ils m'ont laissé choisir 200$ sur leur site. Comment vous dire que j'ai pu... Je fais rarement des achats aussi chers. J'étais comme une petite fille à Noël, quoi. J'étais vraiment très contente de faire ça. Mais je ne suis pas payée pour faire la vidéo. Donc mon avis est totalement sincère. Enfin, même si j'étais payée, ça, je vais pas changer mon avis. J'arrête de parler, mais voilà, c'est pour un peu remettre au clair. Enfin bref, on va commencer. Vous allez être choqués. Déjà, une robe à carreaux rouges. Je pense que ça ne vous étonne pas vu mes derniers hauls. Mais voilà, c'est une robe comme ça. Vraiment très 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 jolie, qui arrive au-dessus du genou. Et en fait ce que j'adore, c'est déjà l'épaisseur, donc c'est assez épais et c'est pas transparent du tout. Et c'est genre élastique un petit peu, je sais pas si vous le voyez. Et du coup bah moi elle me va parfaitement, elle colle où il faut que ça colle. Et elle est un peu plus large vers le bas et ça fait un rendu vraiment trop beau. Pareil, ce que j'ai adoré sur ce site, c'est que toutes les bretelles sont réglables. Et ça, c'est un truc de ouf. Par rapport à d'autres sites, c'est vraiment un plus. Il y a une fermeture dans le dos. Enfin, elle est magnifique. La qualité est juste dingue. Je vous assure qu'il y a une robe comme ça chez Bershka en noir. Elle est similaire. C'est clairement la même, quoi. Elle est similaire, vraiment. Il n'y a rien qui dépasse. On a tous des a priori sur les sites chinois. Mais en fait, les produits de chez Bershka, HM, je sais pas quoi, c'est aussi des produits fabriqués en Chine. Donc je pense que des fois il n'y a pas tant de différence que ça. Enfin, en tout cas là sur cet article là, zéro différence, vraiment aucune. Ensuite on va continuer avec les robes à carreaux. Oui, celle-ci ça reste une robe à carreaux mais c'est un autre style. Elle est longue en fait. Voilà. Et elle est vraiment trop trop belle, pareil, elle me va parfaitement. Le tissu est épais, oh, c'est pas du tout transparent. Une fermeture dans le dos, il y a même une petite ceinture. Franchement elle est trop trop belle, elle me va parfaitement. Mais vraiment, elle est super ajustée et vraiment je suis trop contente. Surtout j'ai pris en M, donc une taille au-dessus de ma taille habituelle en fait. Mais ça me va nickel. Pareil, les bretelles sont réglables. Enfin voilà, parfait. Je suis vraiment trop contente. On reste dans le thème carreau parce que j'ai encore pris du carreau, oui. Mais là c'est différent. C'est différent, c'est un haut. Parce que j'ai tout essayé hier et j'ai tout laissé en vrac. Voilà. C'est un haut manche longue et crop top. Comme ceci, donc avec des petits boutons ici, des petites épaulettes un petit peu et des manches un petit peu en volume, vraiment trop chouette. Un petit bouton aussi sur les manches ici, des petits boutons aussi sur l'avant et il est vraiment trop trop beau. Je l'avais vu sur je sais plus quelle youtubeuse sur Instagram, je sais pas si c'est Chloé B ou une autre, mais d'ailleurs je vais regarder tiens, pour éviter de dire des conneries parce que ça se trouve c'est archi pas elle. Mais il y a grave longtemps, hein, ça se trouve ça fait un an. Bon, après une petite recherche, je n'ai point trouvé. Donc ça se trouve, c'était
pas du tout elle. Et mais il me semble avoir vu un haut dans ce style là, mais il y a genre quelques mois, et je l'avais trouvé beau, et du coup ça m'a fait tilt quand je l'ai vu sur le site. Et pareil, il me va super, il a des élastiques là mais c'est pas trop serré, c'est super agréable, trop cool. Voilà, il y a les manches en volume, je trouve ça vraiment 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 trop chouette, trop contente. Ensuite on va continuer avec les manches longues. Celui-ci c'est l'un de mes coups de cœur, vraiment trop magnifique. C'est un haut qui s'attache devant et vous allez voir les manches, c'est une beauté. Tadam ! C'est des manches hyper évasées, vraiment, avec des petits froufrous dessus. Oh là 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 là. La couleur c'est un peu un vieux rose avec un tissu qui est légèrement satiné, pas transparent. Vraiment trop beau et qui s'attache devant en fait avec une petite ficelle comme ça se fait beaucoup ces derniers temps. Et c'est magnifique, vraiment magnifique. Pareil, la taille me convient, je suis vraiment pas déçue et je suis vraiment trop contente. Je trouve vraiment, les manches sont vraiment belles, je sais pas ce que vous en pensez mais trop chouette quoi. Ensuite on continue dans le même style, un rose plutôt fraise là. La comparaison, nul à chier. Un vieux rose plus foncé. Enfin bref, enfin, vous voyez la couleur quoi. Pareil, avec des manches évasées, trop chouette. Et pareil, ça s'accroche au milieu. Et c'est trop beau. Et c'est beaucoup trop beau. Et j'adore ces hauts-là, donc je suis sous le charme. Ensuite, ensuite j'ai choisi plusieurs petits hauts un peu bralettes. Des petites brassières, mais un peu plus longues. J'ai choisi déjà celle-là, qui est en espèce de daim. Et vraiment, je suis vraiment trop contente. Quand j'ai pris ce genre de haut, parce que j'en ai pris plusieurs, je les ai pris en me disant, de toute façon, ça m'ira pas. Soit ça sera trop petit, soit ça sera trop grand, mais ça m'ira pas. Et tout me va. Je suis sur le cul, voilà. Sur le popotin, comme on dit. Vraiment trop chouette. Il me va parfaitement, en fait. Puis la couleur est vraiment très belle. La qualité, pareil, c'est doublé. Enfin, rien à dire. Rien à dire. Et je trouve ça vraiment beau. Voilà. Le deuxième, un peu plus spécial, trop chouette. Voilà, c'est avec un tissu un peu serpent. Mais celui-ci est croisé dans le dos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous verrez sa portée. Est vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Pareil, il me va doubler, qualité bien. Il est enfin assez extensible pour que ça soit pas désagréable. Parfait. Et le troisième, c'est un peu plus spécial. C'est un peu plus bralette, quoi. C'est celui-ci avec des broderies en fleurs. Pareil, les. Enfin, pas les manches, les. Les trucs là, les... Comment ça s'appelle? Les... Enfin bref, le truc est réglable là au-dessus là. Et c'est vraiment trop beau. J'ai pris ça en fait pour mettre sous les t-shirts un peu transparents, etc. Je trouve ça vraiment magnifique avec la broderie et tout. Vraiment trop contente. En plus, il me va, donc trop contente. Ensuite, ah, il y en a encore un. Celui-ci, pareil, je me suis pris, mais lui, je pense, c'est le pire. Je me suis dit, de toute façon, il m'ira pas. Et il est magnifique, mais vous allez voir. C'est un espèce de, on va dire, soutien-gorge en soie avec des motifs, genre un peu des serpents, un peu des motifs, je sais pas trop quoi, mais je dirais asiatique, mais ça se trouve c'est archi pas ça, mais vous savez que je suis un peu nulle dans la description des motifs et tout. Avec des petits froufrous en bas, trop beau, pareil, les bretelles réglables, et il me va. Il me va et je suis très contente. Et ensuite, ah non, il reste un. Ben dis donc, Lou, c'est jamais fini. Crop top court avec qui s'attache dans le cou. Trop chouette. Et là, c'est pareil, c'est un élastique très agréable, pas trop serré, vraiment parfait, qui colle super bien. Et du coup, ça fait vraiment, franchement un rendu vraiment beau. Et je suis vraiment très contente, pareil. C'est doublé, le tissu est épais, on voit pas, c'est pas transparent. Nickel quoi. Ensuite j'ai pris des bodys. On va commencer par le seul truc de la commande qui me va point. Pourtant en le voyant j'étais très contente. Il était épais. Un body blanc pas transparent. Oui, j'ai pris un body blanc sur les sites chinois. Je me suis vraiment laissée aller là parce que souvent c'est transparent. Et quand j'ai vu je me suis dit putain il est pas transparent, il est épais, il est doublé, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et finalement en fait j'ai les seins qui sortent. C'est pas hyper pratique, dommage que la coupe soit un petit peu ratée. Les bodys ont des putains de pression entre les jambes, vraiment très 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 plus. Vendredi j'avais un body sans truc entre les jambes, en fait j'avais pas réalisé à quel point c'était chiant d'aller au shot sans avoir un body déclipsable. Lui pareil, parfait, parfait, parfait. C'est un body noir avec des froufrous sur le devant ici. Et pareil, des pressions, c'est un peu, c'est un tissu pareil, épais, pas transparent, des pressions là, nickel. Et le dernier, je vous avoue, j'ai eu la flemme de l'essayer parce que, en gros, c'est un dos nu avec des ficelles croisées dans le dos.
Sauf qu'ils m'ont mis un putain de nœud d'escalade ici. Pour tout vous avouer, hier j'ai eu totalement la flemme de défaire le nœud et de en gros l'accrocher derrière. Donc bah j'essaierai avec vous tout à l'heure, mais en tout cas pareil, pas transparent, bien, pression au niveau de l'entrejambe, parfait. Et ensuite j'ai pris des maillots de bain. Alors déjà un maillot de bain, une pièce, rouge, très très joli. Voilà, il est comme ça, il est croisé dans le dos et il est un petit peu échancré. Le seul souci, mais ça, ça vient pas forcément du maillot, c'est que je suis très cambrée et du coup vu que la coupe et c'est un gros de nuit qui va bas, en fait vu que je suis cambrée, ça fait un peu un espace entre mes fesses et mon dos, mais c'est pas ça, ça me gêne pas plus que ça parce qu'on voit pas mon cul quoi, mais sinon il est très joli. Pareil, il est doublé, la qualité est trop bien, rouge, enfin oh là là, des réglables et bretelles, voilà, mais parfait, parfait, parfait. Et le reste, j'ai pris des maillots de bain de pièces. Je mets jamais de maillot de bain de pièces, je me sens pas à l'aise dans mon corps en maillot de bain de pièces. À la plage, j'ai l'impression que les gens scrutent un peu le corps et tout, et quand je suis en deux pièces, j'ai l'impression qu'on voit que moi en gros cachaleux sur la plage et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, tu vas te remettre à fond dans le sport et tu vas être capable de mettre ces maillots de bain et... Quand je les ai portés, clairement, je les ai trouvés si beaux que je vais être clairement obligée de les porter cet été. Le premier, comme ceci, c'est un petit maillot de bain avec des petits cœurs rouges, avec des bretelles très simples dans le dos, réglables et tout, et une culotte assez simple mais assez petite, on va dire. Enfin voilà quoi, c'est assez petit quoi, ça rentre un petit peu dans les fesses et tout, voilà quoi, ça doit être un tanga en fait, très très joli. Que j'ai vraiment adoré, la qualité, j'ai été vraiment choquée, doublée, pareil et tout, très contente. Et le deuxième, je pense que c'est mon coup de cœur. Vous allez voir, vous allez craquer aussi. On m'a demandé peut-être 50 fois d'où il venait. Donc le voici. Regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est des triangles blancs avec les couleurs, la bleu, blanc, rouge. Très très joli, qui s'accroche dans le dos et au-dessus là. Oh, magnifique. Et la culotte, très très jolie. Elle est pareil, assez... on va dire pas beaucoup de tissu, et derrière il y a des petits plis en fait quand ça rentre dans le cul. Oh là là, c'est dit tellement avec une délicatesse, une élégance, et pareil réglable aussi au niveau de la culotte, donc trop cool. Donc j'ai reçu aussi ce short là, mais j'ai oublié de vous le montrer parce que en fait tout simplement je le portais, mais il est super super chouette, trop agréable, c'est un effet soie et vraiment trop beau pour l'été, et ben la preuve je le porte déjà, je l'adore. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous avez été autant choqués que moi de la qualité. En fait, j'ai l'impression que les produits ont été vraiment choisis au niveau de la qualité et pas sur photo. Genre, je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris en gros les meilleurs produits des sites chinois pour leur faire pour faire à ce site-là. Enfin, presque tout est parfait. C'est quand même fou qu'il y ait quand même un zéro faute comme ça, presque. Donc je suis vraiment choquée. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.